depuis vous avez été choisi pour justement atteindre ces objectifs-là, c'est pour relever le challenge et redonner toutes ces lettres de noblesse à ce grand club. Et je suis certain qu'on pourra y arriver. Qu'on pourra y arriver par votre implication, par votre sérieux, par votre professionnalisme. Et surtout, surtout, je le dis toujours souvent, j'aurai le temps de revenir sur une présentation du projet de jeu, mais surtout par rapport aux valeurs humaines. Vos valeurs qui vont vous rester, qui vont rester collées en vous, qui vont nous permettre d'avancer. Alors effectivement, là maintenant, on ne se connaît pas tous. C'est ça la magie du football. La magie du football, c'est de créer des liens. De toutes les nations. Il y a plusieurs nationalités ici. J'ai connu à Arsenal, à Fulham, j'ai connu 17 nationalités. Écoutez, je suis très content déjà de retrouver mes joueurs, de retrouver mon staff. C'est vrai qu'on a accordé une période de régénération sur le plan mental et physique qui était nécessaire. Donc voilà, aujourd'hui, c'était les retrouvailles. C'était, l'objectif, c'était de retrouver des sensations. C'était de faire aussi connaissance un peu avec les nouveaux joueurs, même si on les connaît un peu, on connaît leurs qualités. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment une reprise tranquille, avec des objectifs finalement de monter aussi en puissance pour être prêt d'ici 7 à 8 semaines. C'est ma première expérience en Afrique. Après, moi, je suis un joueur même en Europe qui a beaucoup bougé. Donc, j'ai jamais eu peur des challenges. C'est pour ça que quand le club m'a présenté ce challenge, le coach, le président, le directeur sportif, j'ai tout de suite adhéré. Donc voilà, moi, j'aime bien les défis. Ici, je sais que c'est un grand défi. Il y a beaucoup de supporters. C'est un très grand club en Afrique. Donc déjà, c'est un honneur de jouer là. Et bien sûr, pour moi, c'est une très belle expérience à vivre, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, mon arrivée ici s'est bien passée. C'est déjà un peu chez moi. J'ai découvert mes nouveaux coéquipiers. On a une très bonne cohésion d'équipe. On a beaucoup discuté avec le coach et les nouveaux staff arrivants. On est beaucoup de nouveaux, donc ça fait qu'on s'est directement familiarisé. On est déjà une petite famille. On a rencontré aussi les joueurs qui étaient déjà sur place. J'en connais déjà un avec qui j'ai joué en Belgique. Héritier, donc tout se passe bien pour l'instant. Et c'est avec joie que je suis revenu chez moi, quoi. Vraiment, j'ai été impressionné par l'accueil du club. Donc les dirigeants, ils ont tout mis en place pour bien nous accueillir. Le pays, ça va, c'est très bon. J'ai découvert un nouveau pays. Donc on est là pour l'équipe de Vida Club. Donc on va donner le meilleur de nous-mêmes pour atteindre l'objectif et la confiance que les dirigeants ont mis sur nous. Mais en tout cas, on va jouer pour le titre, je vous le dis, avec ce groupe. C'est un groupe valeureux. Et il ne faut pas se cacher, voilà, on va essayer de redorer le blason de cette équipe et de redonner toutes ces lettres de noblesse à Vita Club.